les choses comme toi. Moi, ça fait depuis que j'ai 4 ans que je joue de la musique. Ça a toujours fait partie de ma vie. Plutôt au piano classique au début, mais depuis, j'ai vraiment réalisé que c'est quelque chose qui fait partie de moi et que c'est vraiment chouette de pouvoir écrire non seulement mes pensées, mais mes émotions et être capable d'utiliser ça un peu comme de la thérapie. Et être capable de partager ce message-là dans une façon qui est vraiment compréhensible et facile à écouter dans comme dans la musique, je trouve que c'est vraiment génial. Je trouve que je m'inspire beaucoup des images dans ma vie autour de moi. Je suis une personne très visuelle, alors des beaux moments passés avec des amis ou des couchers de soleil, les forêts, des lacs et des jardins, je trouve que c'est vraiment beau. Alors je prends ça comme inspiration puis je mets des touches de messages de mon vécu. Mais j'aime avoir des mélodies qui ont des touches de soul et de jazz aussi. Puis j'écoute beaucoup de folk puis beaucoup de pop aussi, alors je suis certaine que ça rentre dans mon genre aussi. Souvent, moi, je suis une personne qui, c'est vraiment plate, mais je deviens super créative comme tard le soir. Alors c'est toujours quand je suis trop fatiguée que je réussis à composer quelque chose au piano. Mais pour moi, les paroles, c'est vraiment important. Alors, je travaille souvent avec mes paroles au début. Et de là, je peux ajouter des mélodies et trouver quelque chose dans la musique qui complimente.